se retrouve actuellement en troisième position. C'est Rocheteau Dumont, le 26, qui a pris la première place. Et il me semble en seconde place, le numéro 8 de Jean-Royal, et j'en suis pas sûr. Je vais attendre qu'il remonte jusqu'ici pour pouvoir. Si, si, c'est la bien, la voiture verte. J'ai reconnu le capot vert de la famille Charon. C'est la numéro 8 qui est en seconde position, juste derrière Rocheteau Dumont, et en troisième place, Paul Ajoloran, qui a gagné pourtant cette liste de première manche. Et la manche est compliquée parce que nous avons alors un bandeau juste derrière en troisième position. On peut dire que le spectacle est assuré. Donc avec le numéro 9, le grand Jonathan qui est en troisième position. Pour l'instant, rien n'a changé pour les deux, trois premiers. Quatre premiers descendent dans le numéro 9 pour le quatrième. Nous avons tout le temps le 26 en tête, Rocheteau Thibault, 26 qui apparemment n'a pas décidé de laisser sa place. Et le numéro 8 de Charon-Yohan qui est actuellement en seconde position. La troisième place tout le temps pour Laurent Farageau. Quatrième place pour le numéro 9 de Legrand Jonathan. Cinquième place, et bien c'est le numéro 6 de Rabot Florent qui réussit très bien sa place. 24 et du numéro 13. Le numéro 24 continue du numéro 13 pour Aïe Sébastien qui est parti tout droit de la 12e place pour se retrouver actuellement en 6e position. Une 6e position bien méritée puisque là il a remonté une doublette de la poussière là-bas dans le fond. On n'a rien de changé à ce qui concerne les premières places. C'est très très chaud parce qu'entre les trois premiers se combinent. Et là il est certainement positif car. À mon avis, ils vont se battre jusqu'au bout, tout le temps le 26. Tout le temps le 26. Le premier Rocheteau Thibault qui est en première place. Tout le temps Charon-Yohan numéro 8 en seconde position. Tout le temps Laurent Farageau. Laurent Farageau qui est à la tête sur le second. Tout à fait au fond du circuit. Je pense que là aussi, ce n'est pas fini, mais il a reperdu un peu de distance par rapport au second. On a un changement au niveau du quatrième, c'est le numéro 22 qui a pris la quatrième position. Chaillou Antoine, qui a pris la quatrième place. On a perdu le numéro 9, ou à moins qu'il soit là. Non, c'est le numéro 6 de Rambo Florent. Le 24-13 et notre ami Goulard, le 32 qui remonte alors qu'il était parti lui aussi tout droit, alors qu'il a changé un moteur entre deux manches. La maison Goulard a fait fort, la maison, le club Goulard, le maire là-bas, avec numéro 9, a l'air de connaître des problèmes de motorisation. Tout en 26, Rocheteau Thibault en tête. Jean-Royal, le 8, Laurent Farageau, 48, ah, il nous fait du spectacle, Laurent Farageau. Le 22 de Chaillou, Antoine également. Le 6, bravo Florent. Le 14, la finale, bravo pour la couleur, il a du numéro, la couleur, sous le Sébastien Poirier. Il a du numéro, le numéro, c'est un roman. En montant, il est juste derrière, avec tout pour lui, premier. Donc on a le drapeau de Nicolas Massis qui arrive en tête d'un deuxième général Stéphane Charon-Yohan, Laurent Farageau. Et notre ami Goulard qui est là, il est revenu en ligne.